Bon l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, hop, la reprise des vlogs. Ou pas. Voilà, ça fait bizarre de... Déjà d'avoir ce casque là, parce que je mets jamais ce casque là. Ce casque là, c'est juste pour faire les vidéos. Donc voilà. J'espère que tout le monde va bien en tout cas. Et j'espère que vous serez toujours présent sur les vidéos. Tu vois, si tu fais une bavette un peu trop violente, tu te retrouves ici, frérot. Voilà, au cimetière, direct. Et ça blablate pas, frérot. Voilà, donc, du coup, pour ceux qui m'ont suivi là sur Snapchat et Instagram, maintenant on va faire un truc en fait. Maintenant je vais faire des stories. Vous allez me dire de quoi parler dans les vidéos. Et du coup, après, je ferai des vidéos après avec ces sujets là, tu vois. Du coup là, le sujet là que je vais aborder là, ça va être la... Ça va être la... le contrôle technique des motos. Voilà, parce que c'est un truc que je comprends pas trop, frérot. Ben, si, je comprends, tu vois. Mais le problème, c'est pas question de ça. C'est question, regardez, les gars, pour ma moto. Moi, c'est une moto homologuée, les gars. Mais frérot, tu passes comment au contrôle, frérot? J'ai déjà pour le bruit. Et pourtant, c'est le pot d'origine, les gars. Elle passera jamais, les gars. Gars. C'est le moteur d'un cross, frérot. D'origine. C'est... Moi, la moto, les gars, là, elle est full origine, tu vois. Comment tu veux que ça passe homologué, frérot? Impossible. Et j'ai même entendu dire que ça va être même compliqué pour ceux qui ont les contrôles techniques, en fait. Hein. Pour les patrons des contrôles techniques, parce que ça voudrait dire qu'en gros tous ceux qui vont passer les motos au contrôle, ils seront obligés de passer le permis moto, tu vois. Et il y en a qui veulent pas, tu vois, il y en a, ils s'en foutent, frère, de faire de la moto, tu vois. Parce que le permis voiture en soi, c'est obligatoire, frérot. Si t'as pas le permis voiture, frère, je sais pas ce que tu fais de ta vie, tu vois. Mais il y en a, ils aiment pas la moto, tu vois, il y en a, ils veulent pas passer. C'est comme genre en mode on te dit, ouais, pour garer les voitures à la... Imaginons, je te dis juste un exemple. Genre, t'es mécanicien poids lourd. Tu vois, t'es mécanicien, frérot. T'es pas chauffeur poids lourd. Mais genre, on te dit que, par exemple, pour que tu puisses démonter une roue sur un poids lourd, il faut que tu passes le permis poids lourd. Ben non, frère. T'as pas envie de conduire le poids lourd, toi, frérot. Tu vois ou pas, genre, ce que j'ai envie de te dire. Ça, c'est genre un truc, ça, je comprends pas trop, tu vois. Et du coup, c'est un peu parti en couille sur ça. Bon, sur ce, les gars, bref, c'était juste ma petite truc sur le contrôle technique. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Hein. Parce que franchement, moi, gros. En plus, genre, il y en a plein qui disent que, je sais pas, tu vois, genre. Les voitures, ok, tu vois, il y a beaucoup de trafic de voitures, tu vois. Bon, il y a autant de trafic que de voitures. C'est où ça? Il y a autant de trafic que les motos, hein. Mais moi personnellement, frérot, je sais que moi, ma moto, frérot, j'ai pas besoin qu'elle passe à un contrôle. Hein. Moi, je sais que ma moto, frérot, elle est irréprochable. Hein. Elle est irréprochable, mon frérot. Si tu vois ce que je veux te dire. Oh, moi, ma bécane, frérot. Pour faire ça, malheureusement, il faut qu'elle soit au top, quoi. Oh putain, mais il y a des gens dans le champ. Putain, mais je... oh, les gars, tout le temps, je vais tout le temps dans des champs qui servent à rien. La vie de ma mère. Maman, où je suis allé, frère. C'est comme quelqu'un qui achète une R1, frérot. Tu vas me dire que le mec, il n'entretient pas sa moto, frère. Il entretient carrément aux heures qu'il faut, frérot. Ah oui, écoute. C'est pas pareil qu'une voiture. C'est pas pareil. Parce que comme je te dis, genre en mode, tu vois, j'ai une voiture, tout le monde, c'est obligatoire, frérot, d'avoir une voiture. Pour aller travailler, stagiaire des enfants, faire des courses, t'es obligé, tu vois. Que regarde, tu vois, genre quelqu'un qui fait de la moto, par exemple, genre moi qui... Moi je suis les gars, moi je suis passionné de moto depuis que je suis né, tu vois. Mais par exemple, tu vois, genre, moi c'est là, je peux pas aller faire les courses, frérot, j'ai même pas de clé. C'est-à-dire que je peux même pas la poser quelque part, vas-y, ah ouais, je vais m'acheter une canette. Il n'y a même pas de clé, frère. C'est-à-dire que je peux même pas la laisser poser quelque part, tu vois. On va me la voler direct, tu vois. Donc du coup, moi, cette moto, moi, elle me sert juste à profiter de ma passion, tu vois.
Donc forcément, je suis obligé de l'entretenir comme je veux pour que je fasse ma passion, tu vois. C'est pas une moto, je vais ouf. Oui, mais c'est une casse, frère. Oh, y a les pare-chocs. Ah, par contre, ça, les gars, ça, il faut arrêter. Hein. Tout ça, là. Parce que, les gars, moi, quand je me balade, regardez ça, frère. C'est normal, ça. C'est n'importe quoi, la vie de ma mère. Putain, ces gens-là, je les vois jamais jeter. La vie de ma mère, je leur jette un caillou comme ça, frère, dans la tête. La vie de ma mère. Bande de fils de pute. Ceux qui jettent, là, jamais des enculés, frère. Putain, oh, les gars, ça fait deux jours, j'ai mal à la tête. Ça me casse les couilles. Attendez, les gars, j'ai envie de visiter un peu. Non, là-bas, non. J'ai envie de visiter un peu. Je sais pas où je vais, hein, comme d'hab. Ah les gars, s'il y en a qui font de l'enduro ou du cross ou quoi sur Perpignan, ben franchement, dites-le moi, parce que moi je suis chaud. Oh là, si on peut aller rouler ensemble. Non, ça m'aide. Non, ça m'aide juste là-bas. Tu vois, moi j'aime bien faire de la moto, pas aller vite ou quoi, tu vois, genre juste aller me balader, tu vois. Pas besoin de... C'est ça que moi j'aime avec l'enduro, c'est que tu peux passer par la route, tu vois. J'aime bien. Rico. Wow, wow. Ah, des fois, les gars, la vie de ma mère, des fois, je me perds des fois dans des champs. J'arrive même plus à ressortir, je suis d'aller sur Google Maps et tout, voir où je suis, frère. C'est n'importe quoi, frérot. Je suis niqué les couilles. Oh, ça me... Je sais pas où je vais, frérot. Mais je vais. Oh putain, mais dis pas, je vais vers le tour de... du champ, frère. Ah si, ça va faire le tour du champ, ça. C'est sûr. On va essayer de paniquer le champ à la personne. Hop, on respecte les gars les champs, on respecte. Vous voyez là où je roule, là je peux rouler. Enfin, on roule pas là, où tu vois que ça a été labouré et tout, tu vois. Faut pas être con les gars. Voilà. Eh oui. J'essaie de pas faire le mongol quand même. On respecte le travail qui est très dur. Voilà. Eh oui. Quand même les gars. On peut rouler dans les champs, mais pas là. J'ai déjà vu moi des gens rouler là sur TikTok comme des cons. Putain les gars, respectez quand même. Faut respecter. Toi t'as envie de rouler fort, roule là. Tu vois là que c'est pas entretenu. Ou tu vois là comme moi. Oh. Ah oui les gars, il faut respecter le travail des autres. Hein. Ah oui, c'est important. Bon attendez les gars, je vais aller là. Oh, j'ai eu un petit chemin là. Oh là. Oh les gars, je dis des fois je m'aventure des fois dans des chemins, frérot. Mais ma mère, je suis pas trop bien. Oh, j'ai vu un truc passer. Wow. Oh putain. Oh, je vais. Oh les gars, vous avez vu le jeu là? La plupart là, des mecs là qui me suivent, vous connaissez MX Bike? C'est le jeu de Bike Life là, sur le PC là, sur ordinateur là, où genre tu peux lever et tout là, en cross. Mais, vous savez qu'ils ont fait le même jeu à peu près sur téléphone. Il s'appelle Wheelie Life 2. C'est quoi? Je vais te le marquer au pire. Je te le marquerai. C'est quoi? Je vais le mettre en description, frérot. Moi tu pourras voir et tout.
saute, frère. Ça saute, frère. Qu'est-ce qui s'envole et tout, Fada? Sa mère. Et ouais, franchement, putain, les gars, le jeu il est incroyable. Il faut rejoindre le serveur EZ, c'est où il y a le plus de monde. Mais franchement, les gars, le jeu il est. Oh. Enfin, il est pas fou non plus, hein. C'est un jeu sur téléphone. Hein. Mais comment dire, je pense qu'il y aura beaucoup de mises à jour, le choix de la moto et tout, je pense. Tu vois. Franchement, il est déjà assez bien fait quand même pour un jeu de téléphone. Hein. Oh putain! Oh, il a tout labouré, le mec! Parce qu'en fait avant, regardez, oh je vous explique. Avant on pouvait. Genre le mec il habite là. Avant en fait on pouvait passer par là et tu pouvais. T'allais comme ça là, hop, et t'as vu, t'as genre un chemin là-bas qui fait comme ça au fond là. Et en fait avant, mais maintenant il a tout labouré. Nickel. Genre que maintenant on peut plus passer par là. Voilà. On va voir où ça donne ça. Si on peut rejoindre. Ouais, mais en fait tu peux même plus rejoindre en fait. Il a tout labouré le mec. Bon, on va voir où ça donne ça. Ah c'est bon, je sais où on est. Hop, c'est bon, ça a rejoint en fait. C'est bon. Oh, des cailloux comme ça là. Et après il faut aller là et c'est bon. Petite balade tranquille hein, les gars. Enfin, c'est pas une balade de fou que je fais non plus. Hein. C'est vraiment histoire d'aller rouler. Et de faire une petite vidéo où genre je vous parle au calme. Et franchement les gars, n'hésitez pas vraiment à me donner vraiment des idées de vidéos. Même s'il y a genre des rassemblements vers chez moi, s'il y a genre des rassemblements à Narbonne ou quoi, que vous soyez que je vienne ou quoi, franchement, dites-moi le. Je pense que. Là, je vais me barrer vite parce que le chef, il est bon. Ça, c'est un truc, ça, les gars, c'est qu'il faut toujours respecter aussi, les gars. La vie de ma mère. Quand vous voyez des chevaux, les gars, il faut arrêter la moto. Dès que vous voyez genre des chevaux, vous arrêtez la moto direct. Je. C'est une question de respect les gars. C'est une question qu'on respecte. Ok, putain, j'ai mon micro, il s'en allait. Eh ouais, le vent il s'est barré, ce véhicule. Incroyable. Bref, j'espère qu'il y aura quand même du son. Tu vois genre des chiens comme ça, tu ralentis. Tu ralentis. C'est question de respect aussi frérot, c'est question que tout le monde doit bien s'entendre. C'est tout, c'est comme ça. Wow, wow. Oui, frère. C'est bon frère. Ça bouge carrément l'arrière de la moto, Fada. J'aime bien la vue, moi. Mais du coup, l'embrayage, je crois que ça va rien. La vie de ma mère. Wow, wow. J'arrive à 800 frérot aussi là. Mais j'ai pris une confiance frérot depuis la dernière fois, Fada.
Oh les gars, c'est vrai que moi j'embraye tout le temps moi pour passer les vitesses. Vous me le conseillez ou pas d'embrayer? Wow 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 frère. Oui, mais ça a poussé frérot ici. Depuis la dernière fois Fada. Ça a poussé ici vrai. Maman. Ouais mais vous voyez les gars, jusqu'à où je vais frère. Vous savez les gars, ici je suis passé au moins 100 fois avec la bécane. J'arrive à me perdre jusqu'à des trucs comme ça. Maman, il n'y avait pas une descente comme ça mon frère. Je crois que je me rappelle même plus. Ça date un peu. Attendez, j'aimerais bien poser la moto. Hop là. Attendez, j'ai éteint l'essence. Parce que je m'en souviens quand j'y étais. Enfin, j'avais une grosse descente. Enfin, genre, en fait, c'est vrai que j'avais une grosse descente, mais j'ai quand même j'avais un trou. Oh. Mais. Bon gosse. Attends, je vais aller voir comment c'est. Waouh. Ah ouais. Je sais, là, si je passe par là, frère, je vais passer en avant, frérot. Ouais, en gros, il faut que je passe par là, en fait. Ouais, en fait, il faut que je passe à gauche, en fait. Direct à gauche. Mais moi, c'était pas comme ça, moi. Comment ça a creusé, frérot. Moi, c'était vraiment... Il y avait de la terre, moi. Maman. En fait, il faut que je passe à gauche. Oh sa mère. J'ai envie de pisser frère. Toujours les gars, les vérifier. Toujours. Ça vous évitera d'avoir de mauvaises surprises. Ah ah. Je suis niqué. Ce que j'enlève, faut que je passe à gauche. Wow. Heureusement les gars je passe à gauche. Wow. Regardez les gars la descente, je sais même pas si vous voyez. Franchement ça descend au moins comme ça, la vie de ma mère. Parce que j'ai senti ma roue arrière sauter. Ouais. Bon, je vais y coller. Pas bizarre. Les gars, je suis heureux que quand je suis en moto frérot. Tu vois genre ça là. Tu vois genre ça là. C'est mieux que d'avoir une femme, frérot. La tête de la mère, pas d'embrouille. Pas d'embrouille, mon collègue. Pas d'embrouille. Je suis heureux, les gars. Mais que quand je fais de la bécane. Alors, vous montre ma vie heureuse. Voilà. Moi, j'ai toujours voulu faire de la moto, mais j'ai tout fait pour en faire. Tu vois. Voilà. Tu vois, les gars, j'ai un mal de tête. Même faire de la moto, ça me fait mal à la tête, en fait. C'est la vie de ma mère. Après j'ai pas voulu après faire une vidéo longue de ouf, j'ai pas voulu faire une grosse vidéo. Je me suis juste dit c'est quoi, je vais sortir la GoPro, ça fait un petit moment. En plus sur le casque et tout, petite balade, j'avais envie de faire de la moto. Je me suis dit pourquoi pas. Tu vois. Mais du coup voilà maintenant vous savez, envoyez-moi des messages les gars sur Instagram, sur Snapchat. De toute façon tous les liens sont en description, enfin mon Snapchat et mon Instagram. Maintenant j'ai renommé mon Snapchat, c'est le même pseudo que sur Instagram. Donc c'est Ken-Dubastet. Voilà. Tu vas sur Instagram et sur Snapchat, c'est le même pseudo frérot. Au moins, il n'y a pas de complications. Tu m'envoies un message, tu me dis ouais qu'est-ce que tu en penses des 50 brités, des bridés. Toi tu me poses n'importe quelle question frérot. Et j'y répondrai en vidéo. Voilà. Au moins. Genre en mode, ouais, fais-moi un comparatif sur les motos, ce genre de gamme de motos, qu'est-ce que tu penses des 85? Voilà, tu vois, t'as compris. Bon, l'équipe, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, petite vidéo tranquille. Hein. Et voilà, bon, sur ce, l'équipe, ciao!